L'équipe de France Wing Foil, c'est un vrai avantage pour les Français d'avoir cette équipe. On peut vraiment s'entraîner entre nous et échanger aussi beaucoup. Et c'est une force. En tout cas, moi je le vois comme une force. C'est vrai que le fait d'arriver comme ça en groupe avec un entraîneur, un staff médical, on met très vite la pression, je trouve, et ça, c'est cool. Et même pour nous, en tant que riders, d'avoir François qui est sur l'eau avec le bateau, on peut changer d'aile, changer de matos, s'arrêter, boire un verre, refaire un petit point tactique. Genre, c'est vraiment un plus, c'est vraiment trop cool. On s'entraîne avec les sportifs de haut niveau. Donc c'est les sportifs qui ont fait des résultats sur une épreuve de référence, donc sur un des tours mondial. Et après, l'équipe de France, c'est vraiment une partie de ces sportifs de haut niveau. Et c'est tout simplement, ils ont réalisé un podium mondial l'an dernier sur 2023. Le but, c'est de préparer un peu l'équipe pour les échéances, c'est de les accompagner sur des petits points sur lesquels ils ne peuvent pas travailler tout seuls, où ils ont besoin d'un regard extérieur, où ils ont besoin du bateau, et essayer de faire en sorte qu'ils se regroupent et mettre un maximum de confrontations. Du coup, dans le top 10 mondial, on retrouve quand même beaucoup de Français, donc c'est vraiment intéressant de s'entraîner tous ensemble, de se tirer vers le haut et de développer des nouvelles compétences. C'est vrai que moi, j'avais plutôt l'habitude de m'entraîner tout seul, moi, de mon côté, et de partager avec toute l'équipe aussi bien en freestyle, des tricks et des petits conseils, ou bien en race, s'entraîner en flotte, c'est vachement intéressant. Et ça fait toujours progresser, ça tire vers le haut. Donc là, on va aller les rejoindre, on est tous à l'eau, et puis c'est parti.